4-4-2. Un 4-4-2. Donc je crois que bon, il y aura un duel dans l'entrejeu. Ouais. Et qui va gagner les duels va gagner. Pape Diop. Il est loin de. Ouais, attention, attention. De Diaraf et que ici, à Demba Diop, environ 10 minutes. Toujours 0-0. Alors, on rappelle, c'est Pape Diop par Sissoko qui était revenu. C'est pas Basseri, c'est le numéro 45. Basseri, oui. Basseri, c'est le numéro 45. C'était le. Ça va monter crescendo, ça va passer crescendo, ouais. C'est-à-dire que petit à petit, quand on voit ce qui se passe avec Pekin par exemple, mm-hmm. Pekin quand tu joues à la San Diego, votre équipe, ouais. Parfois c'est des matchs parrainés par des équipes de Navetan, ouais. On dit que c'est Guinea Wright qui parraine aujourd'hui, le joueur de Wakan avec son, voilà, on revoit l'action, la faute concédée par Awaï, il y a faute. Ah, c'est. Même pour ce qui est des U20, ouais, il va commencer le 8 mars avec Messi, bien joué, c'est Diallo maintenant. Diallo pour Ndiaye, le buteur, l'auteur du but, l'unique but de la partie pour l'instant. Dara Diaw, l'ancien joueur de la Jeanne d'Arc aussi qu'on a envie de revoir dans l'élite sénégalaise. Il faut que la Jeanne d'Arc revienne, Tassirou. Oui, mais actuellement aussi, il y a le doyen Ablaye Diaw, l'ancien directeur technique, ouais. Il est là-bas assis. Oui, il était notre consultant la fois passée. Même si on a vu. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est jeudi. Ils jouent sans complexe les Jourbelois ici à Dakar. Face au leader Wakam. Attention, mauvaise passe encore. Bien formé. Sini qui se bat là-bas. Va progresser le capitaine de Sunayor. La faute signalée, s'est joué très rapidement. Attention, les jaunes et verts de. Il ne tente pas de tir de loin, ouais. Donc à distance pour surprendre l'adversaire. Et généralement, les joueurs ne travaillent pas ça à l'entraînement, mm-hmm. Parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Mm-hmm. Deschamps ? Je me rappelle en 2011, lorsqu'on préparait notre finale. Mm-hmm. Je le faisais jouer par moment dans le terrain. Mais à chaque fois qu'il faisait un dribble sur un défenseur. Réclamer un peu de culture, mais comme vous l'avez dit, l'arbitre toujours mieux placé, toujours bien placé pour prendre des décisions. Ce qui va solliciter Ibrahima Diallo, qui a joué avec son capitaine Souleymane Diallo, un des fidèles de Sunayor, Souleymane, à Fodewad Jambar NGB, à Ngor Olympique d'Ngor US Wakam. Tout à l'heure, Wakam menait. On a du côté de Dongor, au stade régional de Kolda, le Casasport accueille le port autonome de Dakar. Et ici à Demba Diop, Diaraf Sunayor. On m'a disputé, je pense que avoir les matchs de la première jusqu'à la troisième journée. Attention,
Diallo qui va relancer son équipe. Sambou. Regardez, il y a de l'engagement sur les joueurs. Là, il y a un joueur du chemin Djourbelois. Restez, on revoit la faute commise sur le capitaine Diallo Travali. Oui, il faut des Travali. Travali. Il y a deux Gambiens dans cette équipe. Attention, la frappe. Camerounais, cette année, il y a eu l'équipement camerounais. On rappelle qu'il y a de cela quelques années avec notamment la gendarme.